Salut tout le monde, c'est LastBurglar. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit récap de ce que j'ai farmé ces 3-4 derniers jours, on va dire. Pas de vidéo prédéfinie, on va dire juste un petit récap de ce que j'ai fait, etc., etc. De une, sachez que j'ai reboot mon PC. Donc mon PC est, on va dire, à neuf. Et là, c'est quelques problèmes. Lors de mes streams, ça arrive que je... Là, ça fait 2-3 fois que je crash, etc. Donc, si jamais, faites attention. Effectivement, ça devrait pas bugger en vidéo, je pense pas. Mais on sait jamais. Du coup, c'est pour ça, là aussi, les paramètres d'office, ils sont niqués. Genre, on voit tous les groupes des monstres et tout. C'est un peu relou. Donc, juste pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Déjà, je suis passé à 442 millions. Sachant que j'ai acheté. La DD du Yop est camée. La DD du Panda est camée. Et le volcan de l'ONU est camé. Il manque juste une DD. D'ailleurs, sur Hagrid, il y en a qui vendent une DD ébène ivoire camé et une DD orchidée rousse camé. Je vous les achète. Donc, si vous en vendez, n'hésitez pas à me dire vos prix ou autre. J'en ai besoin. Ensuite, niveau récap farm, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, tout hier soir, je t'en live toute la nuit. J'ai farmé à mort les quêtes Vulcania et j'ai fini ce succès. Ah putain, ras le cul. J'ai fini ce succès, faire 20 fois les mêmes quêtes. En gros, j'ai fait une fois chaque quête et j'ai fait Garo Croquis, taper 5 fois chaque croquis de chaque. Je l'ai fait 19 fois, enfin, ouais, si. Moi, si, je l'ai fait 20 fois en gros cette quête. Vu que les autres, quand tu les fais une fois, il me semble que ça compte pas. Donc, je me suis fait chier à taper énormément de croquis. Cette semaine, il faut que je fasse ça. Donc, la même, mais pour le deuxième camp de Vulcania. Et ensuite, il faut que je chope tous les archis de Vulcania. Pareil, s'il y en a qui vendent des archis de Vulca, n'hésitez pas à me tirer les bros. Je vous les achète volontiers. Ensuite, donc du coup j'ai bien pex mes ogis en même temps de faire mes archives Vulca. Donc là vous voyez, ça c'est la quête Vulca que j'ai faite. Team 2-5 classique. Le perso de Maureen, ça m'a fait up 200. Et j'avais mon double Gignac. Mon double J, il est 199 maintenant. 199 à 10%. Et l'autre il est 194 je crois. Peut-être 195. Donc vous voyez, l'XP est plutôt intéressante. Là en 3 minutes 70M. Là en 3 minutes 120M, 130M. Alors là c'est des ventes. Une petite vente de 5,6 millions. Là c'est un Spinter Cell, score idol tutu que j'ai fait passer à 1 million tout à l'heure. Un vieux mec avec deux persos. Ça c'est le Caillou Loot les gars. Pour ceux qui connaissent cet avis de recherche, oh là là, c'est tellement dur. Il n'y avait pas beaucoup de map avec, donc ça va. Et du coup, j'ai fait le Caillou Loot plus, attendez, je sais pas si c'est juste après. Voilà, le Capricorn. Le Capricorn qui est ici. Du coup j'ai fait, là à l'actuel, j'ai fait tous les avis de recherche du jeu qui donne des doplons sur ma nouvelle team. Avis de recherche, il me reste que les avis de recherche liés aux cités Bonta et Brakmar. Enfin, je pense que c'est que Bonta ou que Brakmar, je sais pas. Peut-être c'est lié aux deux, je sais pas c'est quoi. Mais sinon, tous les autres avis de recherche du jeu, je les ai tous faits. Donc j'avais déjà utilisé tous mes doplons et là j'ai encore 5-6 000 doplons, je pense, je dois avoir. On va regarder comme ça. Doplons, je suis à. Ouais, voilà, je suis presque à 4 000. C'est toujours cool, ça me fera une petite rentrée de Kama. Donc voilà, je vous ai pris un screen ça. Donc j'ai fini un peu de soleil derrière les barreaux. Donc 87 000 Kama cash. Et ça m'a fini aussi police, menottes, prison. 175 000 Kama cash. Donc là du coup je ne revalide plus mes succès. Je validerai tous mes succès quand je serai à 16K succès ou 18K succès. Donc je continue de réaccumuler tous mes points de succès. Ça me fera une ouverture, c'est assez cool encore. J'aime bien faire ce genre de trucs. Ensuite, là j'ai 7 millions de ventes. Là c'est ma banque, je sais pas pourquoi j'ai skin ça non plus. Ça c'est une ceinture volcan vendue 8M3. Ça c'est des baptêmes du hasard. Ça c'est une vente à 31 millions. Voilà, vendu pas mal d'items. Là c'est encore des mobs de Vulca que j'ai fait. Pourquoi il n'y a pas les ougies par contre? Je sais pas pourquoi il n'y a pas les ougies. Encore une ceinture volcan de vendue. Bon ça c'était encore à Vulca. Ça c'est un Hush succès zombie que j'ai fait. Donc là aussi niveau point de succès. J'ai énormément up en points de succès, je suis à 13 700 points de succès. Donc là il me manque moins de 300 points de succès et j'ai déjà les 14 000 points de succès. Donc c'est plutôt cool, sachant que je peux gratter pas mal de points de succès assez free. C'est clairement cool. Donc là un petit H classique. Là j'ai fait un passage Torquelonia. De mémoire entre 3M et 3M5. Non, 4 millions. J'avais pas envie de faire le passage. Le mec, j'étais en live, j'ai dit bon allez je lui dis 4 millions comme ça. Il vient pas me faire chier pour le passage et dira non. Et le mec il a dit oui. Du coup je lui ai fait un torqué pour 4 millions. Plutôt rentable, on va pas se mentir.
Là, j'ai fait un pervers premier. Je déteste ce donjon. Là, j'ai fait. Elle n'a pas fini d'aimer la viande. Ça, c'est les quêtes de la zone Crocusco. Donc, de la nouvelle zone liée au Vilbis et tout là. Bah, dans la zone Torquelenia. J'ai fini pas mal de quêtes. Donc, là, 70 000 Kamakash. La tortue, c'est encore une zone de... une quête de là-bas. 70 000 Kamakash. Donc, là, j'ai fait un passage à Neris. Pour de mémoire, 2 millions 5. Là, c'est un nouveau volcan vendu 7M. Là, c'est un passage. Bah, là, Normish. Lui, je lui ai fait passer tout Frigoste 1, Frigoste 2. Frigoste 3, Frigoste 3 score 200, Compte à rebours score 200, et tous les doubles à boss. Donc là, Compte à rebours Nerissa c'était 4 millions. Ça, c'est un scan duo. Ah oui, j'ai fait aussi énormément de duos. J'ai oublié de vous le préciser. Tous les duos 100 à 150, je les ai finis. Donc là, je suis à 100%, de 0 à 150, je suis à 100% succès dans le jeu. Donc j'ai fait tout ce qui est duo Skunk, Fossil. Donc ça, c'était un petit truc troll. Duo Pekki. Avec toute ma team, hein. Pas à chaque fois qu'avec le Yop, avec tout, vraiment toute ma team. Donc là, j'avais drop une étoffe de Pekki aussi, c'est cool parce que c'est 200 000 commandités, il me semble. Là, c'était un Meno score 200 que j'ai payé à Raikes. De mémoire, 2 millions 5 ou 3 millions. Donc là, c'était un Punisher duo. Là, c'était des petites ventes, 6 millions 2. Ça, c'était. Ah oui, j'ai fait Tengu plus Fuji en succès duo. Donc ça m'a débloqué 80 points de succès par perso. Donc ça m'est vraiment bien. Ici maintenant je suis à 77% et 52%. Ça à chaque fois je vais faire des petits récaps à chaque comme vous voyez dans le titre là ça va être le Barou récap. Donc à chaque Barou récap je vous montrerai un peu mes pourcentages donjons voir si ça up. Lui c'est un client que je vais payer pas mal de choses. Je sais pas trop ce qu'il veut. Je vais payer tout Frigast 3 score 200. Ensuite un Colosso score 200. J'ai fait au pari. Tout Frigoste 1, 2, 3 en duo. Donc là j'ai fait Colosso duo, Glur duo, etc. etc. Donc là c'était Compte à rebours Silargue. Qu'est-ce que c'est chiant le Compte à rebours Silargue les gars. Bon là ça va, ça a été, tu vois, je l'ai fait en 8 tours Compte à rebours Silargue. Avec un client qui a servi à rien. Mon Yop à la fin qui est mort, c'était vraiment un bordel. Ah non, c'est moi qui ai tué mon Yop. Je l'ai tué avec des vagalames sur mon panda parce que j'étais obligé de le faire pour taper. Donc en dernier j'ai fait Compte à rebours Missiles. J'ai pris du temps par contre, hein. 14 tours, 28 minutes. Bon moi ça a bien fini les doubles boss. Pareil, si vous êtes sur la grid, là ça va être la petite vidéo où je me fais de la pub. Hein. Si vous êtes sur la grid, que vous cherchez des PL donjons, je suis dispo pour tous les donjons du jeu. Et pareil, si vous êtes sur la grid et que vous cherchez une petite guilde, n'hésitez pas. Il y a pas mal de membres. On va bientôt rename la guilde et changer le logo. On va mettre un truc un peu plus stylé. Donc si vous cherchez une bonne petite guilde sur la grid, n'hésitez pas. Là c'était le Glour Duo, voilà 6 tours, non 10 tours, 6 minutes. Là 7 tours, 3 minutes en Yop et nu. Vraiment facile. Là encore 14 millions de ventes. Là, encore des groupes à Vulka, 50 millions d'XP, 60 millions d'XP, 80 millions d'XP. Et on a fait tour des screens. Côté de montage, peut-être. Donc là, mes prochains objectifs, ça va être mettre tout le monde en DDKV. Attendez. Parce que là, en gros, je suis pas en DDKV sur tout le monde. Je vais mettre tout le monde en DD ou en Volcan de Kame. J'ai 4 personnes DD et l'ennemi qui est en Volcorn. Et je vais me faire un skin à l'ancienne. Genre noir et blanc, coiffe obji, chapeau obji, tous les bails comme ça là. Je vais me faire vraiment un skin team à l'ancienne avec les DD camé blanches et tout là. Pour le fun. Donc regardez, pour l'instant, il y a l'ennemi qui a un Mudo, qui a un Volcorn camé. Le panda qui a la DD camé. Le Yop qui a la DD camé. Deux autres sont pas camés. Bon, c'est des couleurs dégueulasses hein, parce que mes persos ils sont en couleur de base. Je changerai mes couleurs une fois que j'aurai toutes mes montures, on va dire. Pareil niveau Omega, là je suis vraiment bien là. Je suis Omega au moins 100 sur tout le monde. Le Yop qui est même 135. Niveau Kamakash, vous voyez, je suis à 442 millions. J'ai. Je pense que j'ai encore. On va aller voir en vrai. On va aller faire un petit calcul. Je pense que je dois être à. Encore 100, 200 millions en HDV. Environ. Ça va être simple. On va faire HDV ressources, HDV par show, HDV équipement. Donc là on a 64M. Après les ressources ça galère vraiment à se vendre. Donc 64M. Je pense qu'il me reste au moins 200 millions que je peux mettre en vente. Ici, ouais voilà, rien que là, tu vois, on est presque à 200M. Ensuite avec les pare-chauds et tout, j'ai. Pare-chauds. Et en DD aussi, j'ai énormément de choses. Donc là on est à 120, plus 60, on est à 180. Donc, oh putain, les pare-chauds ils sont presque tous vendus. Ok, je vais aller choper tous mes pare-chauds, je vais aller mettre ça en vente. Donc là on est à. Ouais, 50, 160M. HDV des créatures.
On est à 20 millions. Plus, j'ai encore pas mal de choses à vendre. Fuck. Le mec qui me demande si je cherche le roi 5, gros. Je m'en fous du roi 5. The fuck. Du coup, là, on va pas mal rush les succès, les quêtes, etc. Il y a encore un petit 10 millions en banque, c'est plaisir. Et voilà, j'ai encore pas mal de parchots à vendre. Je crois que j'ai encore 10e de parchots. Ouais, à peu près 10e de parchots. Je vais les remettre ça en vente. Et voilà, pas mal de commas encore qui vont pop dans les jours à venir. Je monte à 500 millions, ensuite j'achète des packs ocre. Enfin, j'achète déjà mes deux dernières DD. Je me fais un skin. Ensuite, je remonte à 500M, pack ocre. J'achète deux packs ocre. Un pour le yop, pour mon perso principal, on va dire. Un pour le panda, pour les songes. Et ensuite, je verrai si je fais une team cra ou une team songe. Ou je stuff le yop PVP et je fais du PVP. Et en même temps, je garde toujours bien sûr cette team là de stuff. Et je m'éclate à faire. À monter en succès, tout simplement. Faire des quêtes, des donjons. Et je fais toujours des passages donjons aussi, donc voilà. On a de quoi se mettre bien le chat. J'espère que vous avez kiffé le petit barou recap. Bientôt aussi, il va y avoir une série qui va sortir. Ça sera vraiment des tutos sur tous les donjons du jeu. 200. Tous les donjons un minimum compliqués. Peut-être des donjons à vague ou quoi. Dimension, je vous en mettrai aussi. Mais je vais faire un tuto. Je vais essayer de bien détailler tous les monstres. Exactement comment ça se passe dans la salle. Mettre un truc sur paint avec les zones d'effet. Par exemple, un paint. On va dire ça, c'est un paint. Par exemple, le monstre, il est ici. Il va renvoyer jusqu'à deux cases. Donc, je vais cocher genre toutes les cases. Toutes les deux cases, je vais tout cocher. Je vais vraiment essayer de vous faire un truc propre. Avec Molgon, on va essayer de faire ça. Et puis voilà. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à checker mes réseaux dans la description. N'hésitez pas à venir sur mon live. Je suis en live tout le temps. Là, je vais bouger au sport en vitesse. Et ce soir, je serai en live à partir de 23h, je pense. Donc, soyez présents, les bros. Et puis voilà. C'était Alas Barouder. J'espère que vous avez kiffé. N'hésite pas à lâcher ton petit like et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo ou à plus tard sur mon live. A plus tout le monde.